Parce qu'il y a le plus assez bouleversant pour moi dans la transition, c'est vraiment l'aspect de l'effondrement que j'ai déjà découvert il y a deux bonnes années, en 2016. Et voilà, certains aspects, je le gère très bien, j'y vois une belle perspective d'avoir un levier efficace pour faire bouger, changer notre société qui, pour moi, même si, disons, toutes nos pollutions étaient malgré tout durables, cette société ne me paraît pas satisfaisante sur ses rapports à la consommation, aux inégalités, etc. Voilà, mais donc l'effondrement est quelque chose, j'y vois une belle opportunité et en même temps un élément assez insécurisant. Voilà, je ne travaille plus à l'université, mais je travaille maintenant dans l'industrie du verre comme chercheur. Et donc je vois de très près des fours à verre qui, encore la semaine passée, j'en ai visité un. C'est des énormes mastodontes de 40 mètres de long qui contiennent 2000 litres de verre fondu à 1500 degrés, avec des flammes de 6 mètres juste au-dessous du verre et qui consomment, ces fours consomment 1000 litres de mazout à l'heure, qui est ma consommation annuelle de chauffage. Et donc voilà, c'est pas toujours évident de travailler là-dedans en sachant voilà, mon engagement environnemental et ce que je sais de l'effondrement. Voilà, mais donc des difficultés à le vivre dans mon environnement professionnel, parfois avec les amis, avec une certaine déconnexion par rapport à l'effondrement. Mais malgré tout, je vois dans la société des prises de conscience, même sur mon lieu de travail. J'ai discuté avec un directeur d'usine la semaine passée qui m'a révélé voter pour les Verts en Allemagne depuis 20 ans. C'est un Allemand. Et je ne m'attendais pas du tout à ce genre de révélation de quelqu'un qui semble symboliser le système en étant le directeur des ventes dans une usine qui fait voilà, 10 millions de chiffres d'affaires annuels. Enfin voilà, c'est... Voilà, donc... des difficultés par rapport à mon environnement et puis en même temps je vois des points à certains endroits, même dans l'industrie, dans le privé, des prises de conscience et de voir que les personnes qui n'osaient pas spécialement parler commencent à échanger, on voit une connivence et on aimerait changer le système de l'intérieur mais on y va avec prudence, quoi.